véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Les bienfaits du bissap. Outre le fait qu'il s'agisse d'une boisson rafraîchissante ou réchauffante, en fonction de son utilisation, le bissap apporte de nombreuses vertus. La variété d'hibiscus aux fleurs de couleur rouge est utilisée pour préparer la fameuse boisson, ainsi que pour en extraire un colorant alimentaire. Ces fleurs sont riches en vitamine C, B2, B3, mucilage, lycopène, bêta-carotène, calcium, potassium, zinc, manganèse et d'autres oligoéléments. Leur couleur est due à la présence conséquente d'anthocyanes, des pigments végétaux aux fortes vertus antioxydantes et vasodilatatrices. Le bissap n'est donc pas seulement une boisson plaisir à la saveur délicieuse, mais possède des vertus intéressantes. Stimuler les défenses immunitaires avec le bissap. Le bissap est un concentré de vitamines. Ses richesses lui confèrent des vertus thérapeutiques qui vont agir directement sur l'efficacité de vos défenses immunitaires. La présence de calcium, de fer, de vitamine C, B2, B3 permet de lutter contre le vieillissement de la peau, lutter contre le stress oxydatif, apporter de la vitalité, favoriser la production de collagène et, de ce fait, renforcer la résistance à l'étirement. D'autre part, l'hibiscus possède des propriétés antiseptiques et antioxydantes prouvées. La plante serait l'un des meilleurs antioxydants naturels. Les antioxydants constituent des protections pour notre corps face aux radicaux libres qui peuvent entraîner l'apparition de cancers, de maladies cardiovasculaires. Les antioxydants vont lutter contre les attaques de cette espèce chimique. La boisson bissap a un effet tonique. Elle peut s'allier parfaitement à des plantes de la sphère ORL comme le thym, la feuille d'eucalyptus, la racine de gentiane. Action du bissap sur la pression artérielle. Si vous avez tendance à faire de l'hypertension, consommer du bissap peut vous aider et vous être d'une aide précieuse. En effet, la boisson à base d'hibiscus fait diminuer la pression artérielle. Il arrive que votre volume sanguin soit trop élevé. Dès lors, votre pression artérielle augmente et les risques d'AVC aussi. Pour les personnes sujettes à ce genre de problème, buvez du bissap. De nombreuses études, dont une publiée par le Journal of Nutrition, ont prouvé qu'une consommation régulière de cette plante stabilise et régule la pression artérielle dans le corps. En plus d'offrir des vertus diurétiques et hypocholestérolémiantes, l'hibiscus a des propriétés hypotensives non négligeables. Afin de réguler votre pression artérielle, buvez au moins 3 infusions de bissap par jour. Au bout de quelques semaines, vous noterez une stabilisation de votre tension. Les vertus du bissap sur le système urinaire. Le bissap et, plus précisément, l'hibiscus a des vertus diurétiques importantes. La plante agit comme un détoxifiant dans le corps. Ses propriétés sont officiellement reconnues par l'EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments. Et la plante est même conseillée par des naturopathes en vue de soigner des infections urinaires
et d'éviter les calculs rénaux. Vous êtes à la recherche d'un diurétique naturel? Le Bisap est la boisson qu'il vous faut. Les diurétiques sont des substances qui augmentent les sécrétions urinaires et aident à traiter l'hypertension artérielle. Par son action détoxifiante, le Bisap vous aide à vous sentir mieux et vous évite les complications liées au système urinaire. Action sur le diabète et le cholestérol du Bisap. Outre les propriétés hypotensives, diurétiques, antiseptiques, antioxydantes, le jus d'hibiscus est un excellent moyen de lutter contre le diabète et le cholestérol. Pour le diabète, des études ont prouvé que consommer la boisson au moins une fois par jour permet de diminuer la résistance de l'organisme à l'insuline. L'insuline étant l'hormone déficiente à l'origine des diabètes de type 1 et 2. La plante d'hibiscus permet de maintenir un taux de glycémie correct dans le sang des diabétiques. Pour le cholestérol, l'oseille de Guinée va jouer un rôle important puisque, une fois ingérée, elle favorise la baisse du mauvais cholestérol et réduit le niveau de triglycérides, un composé similaire au cholestérol. Un excès de ces deux lipides peut entraîner des complications au niveau cardiaque ou artériel. De plus, le Bisap est une boisson naturelle utilisée pour perdre du poids. En effet, cette boisson végétale naturelle permet de faciliter la perte de poids et de prévenir des problèmes d'obésité. Comment préparer le Bisap? La recette du Bisap est loin d'être compliquée et sa préparation ne vous prendra que quelques minutes. Son goût légèrement acidulé, relevé par des notes de fruits rouges, vous plaira si vous appréciez des aliments comme le cranberry. Préparation du Bisap. Il peut se consommer froid ou chaud, en fonction de la saison, de la température et des goûts. Les deux préparations restent efficaces sur le plan médicinal. Dans les deux cas, vous avez besoin d'un litre 5 d'eau et de 100 g de fleurs d'hibiscus séchées. Vous pouvez aussi rajouter d'autres ingrédients complémentaires, comme la menthe, le miel. En infusion chaude, portez à ébullition votre eau. Incorporez vos feuilles séchées. Faites infuser les plantes pendant une dizaine de minutes. Et dégustez votre infusion de Bisap. En infusion froide, ici pas besoin de chauffer l'eau. Il suffit de mettre vos plantes dans un pichet et remuer tranquillement pendant 5 à 10 minutes. Une fois le mélange bien homogénéisé, mettez le Bisap au frigo pendant 12 heures. L'eau froide, contrairement à l'eau chaude, met plus de temps à absorber les ingrédients. C'est pourquoi il est important de laisser infuser le Bisap. Doté de nombreuses vertus et d'un goût unique, le Bisap, ou oseille de Guinée, est une boisson africaine répandue dans le monde entier. Si vous souhaitez préparer un Bisap maison, vous trouverez des feuilles d'hibiscus de qualité dans de nombreuses herboristeries. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur baumegalade.com.